Pour moi, dans tous les candidats de cette année, celui que je pourrais prendre dans mon équipe plus tard, c'est Thomas. Thomas, pour moi, c'est quelqu'un qui a vraiment... on a un petit peu la même vision de la cuisine tous les deux, c'est ça. Et il est motivé, il est créatif, c'est un artiste et ouais. Donc, beaucoup de respect pour Thomas. C'est vrai qu'il y a un montage. On n'a pas droit dessus, on voit pas, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc c'est surprise tous les lundis. Mais c'est vrai que pour Pierre Monod, il s'est fait un petit peu saquer, on va dire, mais ça représente quand même son image. En fait, certes, ils font des montages, mais bon, ils ne peuvent pas changer la nature des gens. Moi je sais qu'au début, c'est vrai que je suis passé pour peut-être quelqu'un de méchant au départ, sur certains points, mais après, ils ont vraiment mis en valeur l'idée que je suis un compétiteur. Et oui, je suis compétiteur et je n'étais pas là pour me faire des amis, je ne suis pas là pour faire des bisous, je suis là vraiment pour. J'étais là pour gagner, parce que derrière, il y a toute mon équipe, on est 12 cuisiniers. J'ai envie de ramener la première place et de dire voilà, j'ai gagné Top Chef. Il y a Simon est derrière et puis il y a toute ma famille aussi. Hein. Donc oui, c'est vrai qu'il y a un montage, mais bon, je pense que pour moi, ils ont fait du très bon travail, M6. On peut pas renier. Pierre Menon, moi, c'est quelqu'un que j'appréciais. Personnellement, pourquoi? Parce que c'est un mec qui fait rigoler tout le monde. Ça fait du bien un peu de se détendre dans un concours. Et le mec, il a toujours le bon pour rire. Il fait toujours le guignol. Et ouais, c'était cool. Mais après, derrière, c'est un bon cuisinier. Attention, hein, il a des bonnes bases. Et il n'a pas un restaurant sur Paris pour rien. Hein. Il s'en sort bien. Maintenant, Gabriel, c'est vraiment différent. Gabriel, il a 22 ans. C'est vraiment un gamin. Un gamin. Hein. Bon, c'est pas du tout... c'est pas avec lui que je vais pouvoir passer une soirée, quoi. Ça, c'est clair. Lui et moi, bah, je le respecte, il me respecte, on se dit bonjour, voilà. Il est très... il a vraiment un... Comment dire? Ouais, il se kiffe, en fait. Dès qu'il fait une sauce... Ouais. Pour moi, le plus gros cauchemar en cuisine entre Simonet et Philippe Etchebest, c'est Simonet. Parce que Philippe Etchebest, je pense qu'il est... C'est un nounours, en fait. Il est quand même gentil. Simonet, il est plus hargneux. Il a plus la haine. Moi, avant de faire Top Chef, j'avais une préférence pour Jean-François Piège, parce que j'ai un gros respect pour ce chef, j'adore sa cuisine. Mais après Top Chef, maintenant, c'est vrai que je préfère Michel Sarran, parce que c'est quelqu'un de beaucoup plus naturel, et il est vraiment sincère, et il m'a vraiment aidé à... Parce qu'à un moment dans Top Chef, j'ai un peu baissé les bras, on va dire, et lui, il m'a vraiment remis sur le droit chemin. Il a tout fait pour me remotiver, et ouais, grand souvenir pour... Enfin, j'ai une grande admiration pour ce chef, Michel Sarran, il est top.